هذه السماء سلام ربي في اللون اسني مرح كل ما يحضر نغول مقارد بهري مقرن نتيزي. Bonjour à tous, merci d'avoir répondu présent à notre invitation à la première assemblée générale de Tizi. L'objectif principal de cette première assemblée générale constitutive est tout d'abord de faire le bilan de Tizi depuis sa création il y a 6 mois. Ensuite, de vous présenter notre organisation, non pas en association mais en réseau. Et surtout vous proposer un projet de plan d'action des années 2012-2013 pour que nous puissions en débattre ensemble. Et enfin, nous vous proposerons la liste des membres du premier conseil d'administration, qui sont en fait les membres actifs de Tizi en 2011, les membres d'un bureau exécutif central. Et avant de clôturer la séance et de passer au débat, nous vous inviterons à rejoindre les groupes de travail en fonction de ce qui vous plaît et vous attire. Merci encore une fois pour votre présence et je passe la parole à notre maître de cérémonie, Zidan Fdel. نخلي دونك دابا الكلمه لسي محمد باش يدوينا على تاسيس تيزي والقصه ديالو الخاصه. تفضل سي محمد. Je voulais d'abord vous parler de la différence qu'il y avait entre l'ivresse de la performance individuelle et le bonheur de donner et le bonheur d'être utile. Ce que j'ai remarqué à chaque fois que j'étais dans une réussite, dans une victoire personnelle, dans une performance, je ressentais une joie intense, une vraie joie pendant quelques heures, quelques jours, mais qu'après, quelques instants après, je déprimais. Systématiquement, après une performance personnelle, individuelle, il y avait une déprime. Comme si j'avais une gueule de bois. Je ne trouvais pas le goût, le sens de la vie. Et j'ai passé une partie de la nuit de mes 30 ans à pleurer dans les bras de ma femme. J'ai compris que le bonheur n'est pas dans la performance individuelle, rarement, pour moi en tout cas. Les victoires strictement personnelles ont un goût d'inachevé. Les victoires personnelles me tichent boche. J'ai compris que l'on atteint le bonheur véritablement lorsqu'on donne, lorsqu'on se rend utile, quand on sert ceux que l'on aime. Et moi, ce que j'aime par-dessus tout, c'est ce pays. Et vous ne pouvez pas imaginer le plaisir et le bonheur que ça me procure de servir ce pays à travers cette initiative Mubadara Tariq Ibn Ziyad. Pourquoi créer Tizi? Si Jaafar est là avec son épouse, si Mohamed est là, si Hicham est là, si Marwa est là, c'est parce qu'au fond quelque chose nous lie. Qu'est-ce qui nous lie? Une intense volonté de servir ce pays. Une petite voix nous dit, tu ne peux pas rester comme ça, à regarder les bras croisés, être le Maghreb Hada dont on se plaint sans rien faire, alors que tu veux travailler. La vraie question, c'était comment, tout seul dans mon coin, j'allais travailler. Comment vous, de votre côté, dans votre coin, vous alliez travailler. Et ensuite, la question, c'est quoi Tizi? C'est quoi? Est-ce que c'est un parti politique? Non. Tizi, c'est tout simplement, je me permets de lire, des jeunes Marocains patriotes qui se sont regroupés pour mettre en commun leur énergie et leur intelligence. Pour se rendre utile, Tizi intervient sur l'amélioration de la gouvernance et la reconstruction du champ politique au Maroc. Nous pensons que si nous sommes de mieux en mieux gouvernés, que le Maroc pourra se développer plus vite. Nous essayons pour ça de réimpliquer les jeunes dans la politique, en initiant ceux qui le souhaitent, on va vous en parler tout de suite, aux techniques de leadership politique, et pour leur servir, pour que Tizi leur serve de tremplin personnel, vers le champ politique ou vers la fonction publique. Il est possible que dans quelques années, les membres de Tizi qui sont là ou qui sont dans la salle rejoignent des partis politiques et s'affrontent les uns contre les autres parce qu'ils seront dans des partis qui vont s'opposer ou dans des administrations qui vont s'opposer mais qui vont toutes marcher vers l'intérêt général du Maroc. Mais je pense que Tizi n'a pas vocation à devenir un parti politique. On doit rester une pépinière de jeunes talents qui va conduire les gens vers le service du Maroc. Enfin, qu'est-ce que tu vas gagner avec Tizi? J'ai déjà répondu, Tizi me procure énormément de bonheur. Et le travail qu'on va accomplir ensemble avec Rachid, avec Si Mohamed Shakir, avec Fayrouz qui est en train de discuter avec sa voisine, le travail qu'on va réaliser ensemble, Inch'Allah, pour ce pays, nous donne énormément d'espoir. Je pense qu'on peut faire beaucoup pour le Maroc encore. Et cet espoir, cette foi en la jeunesse, et cet espoir en notre intelligence et notre énergie me rend heureux. Enfin, quant à la dernière question, Safi, est-ce que Tizi est morte? Eh bien, je laisse les autres le soin de vous répondre. Merci beaucoup.
On a commencé par constituer les membres du CISI à travers une réunion constitutive le 25 septembre 2011, où on a pu valider les objectifs et les outils de l'observatoire politique. Aussitôt, on s'est mis au travail sur le terrain, donc à travers des rencontres et des réunions avec les différents partis politiques marocains, PJD, CIRLEL, RNI, USFP, UC, PPS, MP, PAM. Ça faisait à peu près des centaines d'heures d'entretien avec les politiques marocains et des heures et des heures sur, à travers des recherches sur Internet. Donc le 10 novembre, on a pu commencer l'analyse et la validation des résultats avec un comité de mentors. Le 18 novembre, c'était la publication des résultats à travers plusieurs formes, notamment sous forme de documents et fichiers téléchargeables sur Internet. Et puis, les informations les plus importantes, on a pu le décliner sous forme de vidéos. On a pu partager ça à travers la presse, télévision, Facebook, Twitter et d'autres. Donc, il faut aussi mentionner que un des chantiers, donc on a pu... comme les politiques sont nos futurs gouverneurs potentiels, donc on a mis un zoom sur les personnalités phares de chaque parti politique et les résultats montrent qu'on a bien fait de le faire parce que 12 des 20 personnalités phares analysées par TISI font partie actuellement du gouvernement, ils sont des ministres. Le troisième chantier, c'était le sondage moi et la politique. Donc pourquoi on a penché vers ce projet ? Parce qu'il y avait un manque de visibilité sur le rapport des jeunes et la politique. Donc on s'est dit, il n'y avait pas d'études, de sondages, on s'est dit pourquoi pas lancer ce chantier par nous-mêmes. Donc un travail de collaboration avec l'Institut Averti, on a pu lancer ce travail pour connaître les comportements politiques des jeunes avant et après le printemps arabe. Parce qu'on croyait que le printemps arabe était un élément décisif pour que les jeunes dans le monde arabe et notamment au Maroc puissent renouer avec la politique. Et c'était le cas, c'est ce que vous allez voir avec... par la suite dans la présentation. Donc ce travail a duré pendant un mois depuis 1er au 25 octobre sur une population de 1060 personnes, mais malheureusement on n'a pas pu lancer les résultats avant les élections vu qu'il y avait une loi qui a été sortie juste avant les élections et qui interdisait tout type de sondage ou d'études qui pouvaient influencer les électeurs quelques jours avant les élections. Donc maintenant, après les élections, on a pu analyser ces résultats et les interpréter. L'observatoire politique, juste à titre de rappel assez bref, l'observatoire politique, c'est la première pierre constitutive de TISI. C'est-à-dire c'est la première action, ça n'est pas, TISI ne se restreint pas à l'observatoire politique, mais c'est notre première action, on va dire, d'envergure qui nous a fait connaître et qui nous a permis d'essayer d'aider le citoyen marocain et les jeunes marocains. Sa philosophie, elle est simple. On a remarqué le manque de connaissances et la distance qu'il y avait entre les jeunes, nous-mêmes d'ailleurs, et le monde politique. Donc on a essayé, notre mission avant tout, c'est de rapprocher la jeunesse du monde politique. Ensuite, c'est d'interpeller, grâce à notre connaissance des attentes de cette jeunesse, interpeller les politiques sur ce que demandent ces citoyens. Enfin, aider les citoyens à mieux comprendre le monde politique, à comprendre les partis qu'il y a et se faire une opinion en vue de l'ensemble des échéances électorales. Donc on peut montrer brièvement ce qu'on a fait en 2011, ça c'est l'ensemble des tableaux synthétiques, enfin une partie des tableaux synthétiques qui sont issus donc comme a spécifié Abdelbass, de plus d'une centaine d'heures d'entretien et d'interviews avec des responsables politiques et un travail de synthèse sur les informations transmises ainsi que les programmes électoraux. C'est ce qui a permis en fait au lecteur d'essayer de se faire une idée avec ça avant d'aller voter pour les élections législatives 2011. Donc l'observatoire, les objectifs et ce qui nous amène ensuite au plan d'action 2012. Les objectifs, c'est d'abord de continuer à mettre à disposition de l'information de manière régulière sur notre site, de produire des outils comme on en a produit pendant les élections législatives 2011, de produire des outils permettant de vulgariser le champ politique, de maintenir le contact permanent avec les jeunes et leurs attentes, comme on a essayé de le faire précédemment, de manière à comprendre, ne pas se limiter à notre cercle, à nous, mais comprendre vraiment ce qu'attendent ces jeunes-là, cette jeunesse marocaine dont on fait partie, et enfin essayer de servir de médium entre les jeunes
et les responsables politiques, enfin les partis politiques de manière générale. Donc l'action 2012, on va dire qu'elle sera en 6 étapes. La première étape, ça sera un brainstorming. Il s'agira avant tout de constituer les équipes et de discuter de ce plan d'action-là, de l'affiner si besoin est, de modifier s'il y a quelques modifications à apporter avant de travailler à sa mise en œuvre. La deuxième action qui va durer sur toute l'année, ça va être de continuer à partager un certain nombre d'informations et d'articles et de vidéos. La troisième et la quatrième action se regroupent de manière à pouvoir synthétiser. Il y a eu un rapport, il y a eu un programme gouvernemental sur lequel s'engage le gouvernement pendant 5 ans, le synthétiser et voir par étape si celui-ci est respecté, en quoi il n'est pas respecté. Enfin, produire des documents de vulgarisation, une sorte de politique pour les nuls, avec différentes étapes, expliquer le Parlement, expliquer comment un jeune peut intégrer un parti, etc. Et pour finir, publier des vidéos et des interviews de responsables politiques de manière assez fréquente pour les faire réagir soit sur les bilans, soit sur des questions d'actualité. Alors, je vous présente aujourd'hui l'antenne de Tizier à Paris, ou l'entité extension du réseau Écooptation. Nous avons comme objectif d'attirer un grand nombre de jeunes talents, des Marocains résidant à l'étranger, pour adhérer à Tizi. Nous ciblons en 2012 500 nouveaux adhérents et en 2013 1000 nouveaux adhérents. Nous avons d'autres ambitions, de faire partager les valeurs de Tizi aux Marocains résidant à l'étranger à travers l'extension du réseau dans d'autres antennes, au Maroc, en Europe et au Maghreb. En 2012, nous ciblons de créer une nouvelle antenne au Canada, à Montréal. En 2013, en Europe, s'étendre vers les pays, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne, la Turquie et des pays du Maghreb, la Tunisie et l'Algérie. Nous visons également d'organiser des événements et des conférences politiques. En 2012, nous travaillons pour l'organisation de 2 conférences sur Paris et en 2013, l'organisation de 4 conférences. Nous avons également identifié un plan d'action, des projets à court terme et des projets à moyen terme. Pour les projets à court terme, ce sera l'organisation de conférences, de débats, de meetings entre des responsables politiques au Maroc, des ministres, des parlementaires, des gens qui sont actifs dans le champ politique ou bien associatif avec les Marocains résidant à l'étranger. Nous visons également de nouer des partenariats avec des associations qui sont en Europe. Nous ferons également des actions de médiatisation ciblées pour l'ensemble de nos événements. Et il y a un projet de collaboration avec Wikipédia dans le cadre du projet Maroc. Pour les projets à moyen terme, ce sera la création de barlamani.mm, réalisation des études benchmarking politique et organiser un forum politique à l'instar des forums d'emploi. Donc, permettez-moi de commencer par vous parler d'une petite histoire. En fait, c'est l'histoire de mon rêve de petite fille. En fait, quand j'étais petite, j'entendais souvent des phrases comme « Mais qu'est-ce que tu peux attendre des Marocains ?» Et ouais, c'est ça, les Marocains. Et encore d'autres. Je les entendais sans cesse se répéter. Dans la rue, à l'école, dans ma maison, et même dans ma maison. Cela me rendait très confuse et même me frustrait. Car je les entendais m'insulter. Insulter mon identité en tant que Marocaine. Alors je courais vers ma chambre, je me cachais dans un petit coin et commençais à rêver. J'imaginais dans ma tête les traits de mon Maroc, le Maroc vertueux auquel je sentais que j'appartiens. Ce rêve me devenait de plus en plus cher quand j'entendais mon père me raconter des histoires sur la civilisation arabe et musulmane, sur cette période dorée qu'a vécu notre pays. Mais aussi, je m'attachais encore plus à ce rêve quand j'entendais mon père se plaindre des injustices et inégalités qui existent dans le pays. Je sais que quelque part, chacun d'entre vous a vécu une histoire pareille. Si nous sommes tous là aujourd'hui, c'est que nous témoignons de 2 choses. La frustration de ce qu'est le Maroc aujourd'hui, et de l'espoir que nous entretenons pour notre rêve pour le Maroc. Le rêve de voir le pays qui fait notre identité devenir aussi beau que nous l'avons rêvé.
Aujourd'hui, je sens quelque chose de différent qui arrive au pays. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous croyez en ce que peut devenir ce pays. On sent que quelque chose se passe en ce moment avec le printemps arabe et les lueurs d'espoir. J'ai vu beaucoup de gens motivés de vouloir changer les choses, car ils croient au fond d'eux-mêmes que les choses peuvent changer et que cette fois-ci peut être la bonne. Le changement, c'est ce qui se passe au Maroc en ce moment. Je vous demande alors, ici et aujourd'hui, d'être généreux pour ce rêve. Je vous demande d'y croire, de croire non seulement notre volonté de faire changer les choses, mais aussi, je vous demande, de croire que, aussi nous les Marocains, nous sommes capables de changer les choses. Cette fois-ci, nous sommes bel et bien déterminés à le faire. Nous savons bien que le chemin sera long, mais souvenons-nous toujours que malgré et qu'en dépit de tout ce qui pourrait nous arriver, rien ne pourra résister à la volonté des millions et des millions de volontés qui revendiquent le changement. Cela dépend de nous, de ce que nous allons choisir aujourd'hui. Allons-nous choisir de baisser nos bras et de continuer à subir, ou allons-nous choisir de nous forcer à nous dépasser et à trouver le moyen pour construire et bâtir le Maroc dont nous avons tous rêvé. En fait, je me retourne un peu en arrière et je vois qu'il y a déjà une génération qui a opté pour le premier choix. En fait, mon père en fait partie. Malgré que j'ai toujours considéré mon père comme mon idole et qu'en grande partie, c'est grâce à lui que je suis ce que je suis aujourd'hui. Mais moi, j'ai opté pour le deuxième choix. J'ai choisi de continuer à croire en mon rêve. Et je refuse, et je refuserai toujours d'abandonner ce rêve. Et aujourd'hui, je vous interpelle et je vous demande de me tendre la main pour créer le changement qui va sauver notre pays et qui va bâtir ce pays dont nous avons tous toujours rêvé.